Eh hey, bonjour, j'espère que vous allez bien depuis ma première présentation. Alors ça y est, vous êtes décidé de vendre votre bien immobilier. Et évidemment, la première chose à faire, c'est de l'évaluer. Mais vous ne savez pas encore très bien comment faire. Comme je vous comprends, car ce n'est pas si facile, d'autant plus qu'estimer sa maison, c'est comme lorsque l'on parle de son enfant, il est extrêmement difficile d'être objectif. Sa maison, c'est un peu son petit château, n'est-ce pas ? Dans cette première vidéo, conseil, nous allons aborder trois méthodes que je vais analyser car cette étape est cruciale. Je suis Laurent de Sexte en France et mon objectif est de vous donner les outils nécessaires pour vendre ou acheter un bien immobilier dans les meilleures conditions. Le chemin le plus facile pour vous abonner à ma chaîne YouTube est de cliquer sur ce logo « Abonnez-vous » ici et sinon sur ce qui suit, vous aurez d'autres précisions. Merci. Pour être informé chaque semaine de mes tutos et vidéos pour des conseils et avis en immobilier, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour toutes les recevoir. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller visiter mon site WebPro et ma page Facebook. Votre premier réflexe sera de tenter de l'évaluer seul. Et pour cela, vous allez utiliser plusieurs outils, les annonces immobilières de particuliers aux professionnels, les vitrines des agences et les sites d'estimation en ligne. Les sites de diffusion de particuliers ou professionnels, comme ici, ou les vitrines d'agences, là, peuvent vous aiguiller, mais comment vous y retrouver dans cette multitude d'annonces et comment comparer un bien que vous n'avez jamais vu et définir avec certitude le quartier, la vue, l'environnement, la luminosité, les nuisances ou non, la qualité des matériaux utilisés à la construction, les travaux restants à effectuer, la beauté du jardin, etc. etc. Quant aux sites d'estimation en ligne, comme ceux cités en exemple, ce n'est pas facile de situer son bien dans les trois tranches de prix qu'il vous donne, minimum, moyen, maximum. Et comme vous le constatez, les fourchettes sont différentes selon les sites d'estimation. Conclusion, cette méthode est un bon début, mais n'est pas suffisamment précise. Cette méthode consiste à comparer votre maison avec celles qui se sont vendues dans votre quartier. Encore faut-il connaître l'intérieur et avec celle de vos amis ou de membres de votre famille. Tout le monde le fait, c'est classique. Cependant, même si vous connaissez ces maisons, vous n'aurez pas suffisamment de points comparables, car il y a peu de chances que votre maison soit identique à la leur. Par exemple, le nombre de chambres, si c'est un plein-pied ou une villa à étage, s'il y a une chambre avec un sanitaire au rez-de-chaussée ou non, si elle est moderne ou classique, si le séjour est très spacieux ou non, etc., etc. Conclusion, cette méthode pourrait vous servir, mais ne vous permettra pas d'affiner le prix de votre évaluation. Peut-être ferez-vous appel à deux ou trois agences immobilières, car elles sont censées avoir un historique de vente et une expérience bien plus importante que vous. Je précise qu'une estimation est toujours gratuite. Alors oui, je sais que certains d'entre vous ont des préjugés sur les professionnels, et qu'en effet, il existe des margoulins, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Mais fort heureusement, il y a aussi beaucoup de gens sérieux et honnêtes. Pour y voir plus clair, je vais vous expliquer comment reconnaître un agent immobilier sincère et professionnel. Un conseiller immobilier qui se respecte est déjà celui qui prendra du temps pour connaître votre habitation et son environnement. Une estimation, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il devra prendre des mesures et tout regarder en détail, vous questionner sur la construction, rester neutre et ne pas faire trop d'éloges ni tout critiquer. Un professionnel ne doit pas évaluer selon ses critères personnel, mais par son expérience. Son travail consiste à trouver l'intérêt que suscitera votre maison pour des futurs acquéreurs. Il n'y a pas de bon ou de mauvais bien immobilier. Tout se vend si le prix est juste. Un vrai professionnel devra expliquer son estimation en vous montrant des éléments précis qui lui ont servi pour arriver à ce résultat. Les agents immobiliers disposent aussi d'outils gouvernementaux très efficaces pour établir avec plus de précision leurs estimations. Conclusion, méfiez-vous des vendeurs de tapis qui vous brossent trop dans le sens du poil, ou ceux qui détruisent votre bien à chaque parole. Mais préférez celui qui aura fait un vrai travail d'expertise, neutre et objectif. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, plus bas, ce que vous pensez d'un agent immobilier et ce que vous attendez de lui. En conclusion, il est primordial de ne pas gâcher cette étape, car le but d'une bonne estimation est de permettre de trouver un acquéreur dans un délai raisonnable. Si vous vendez trop cher, et que votre bien n'est pas exceptionnel. Ben oui, la rareté peut se vendre plus cher. Il y a de fortes probabilités qu'il se pollue, comme on dit dans notre jargon. Ce qui veut dire qu'il restera longtemps sur le marché, et là les gens penseront qu'il y a un vrai loup.
N'oubliez pas que le marché dépendra toujours de l'offre et de la demande. Je sais que nous souhaitons tous vendre au plus cher, c'est normal, c'est humain. Mais la prudence est de mise quand même, car cela pourrait se retourner contre vous. En effet, il serait dommage d'être obligé de brader parce que vous êtes à un moment donné contraint de vendre, par exemple pour une mutation, maladie, divorce, fin de prêt-relais, etc., etc. Ah, encore une chose, surtout méfiez-vous de l'ami qui s'improvise agent immobilier, car il est toujours plus facile de flatter une connaissance que de laisser un chèque sur la table. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Si vous souhaitez me rencontrer pour estimer votre bien, voici mes coordonnées, ainsi que mon rayon d'action en illustration, mais aussi dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Si vous voulez savoir qui je suis, vous pouvez aussi voir ma première vidéo nommée présentation. Vous trouverez le lien sur le point i. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de l'importance de préparer son bien à vendre pour les photos et les futures visites. Surtout, n'oubliez pas la cloche pour être prévenu. Au revoir et nos stress.